Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Surviving Mars. On va continuer et on va surtout attendre nos nouveaux copains qui arrivent ici. On va sûrement devoir quand même gérer un peu plus, remplir le tout. On va voir comment ça va se passer. On a des problèmes d'électricité, je vois, donc on va peut-être essayer d'un peu allez, d'ajouter quelques générateurs Stirling qu'on avait encore, hein, au cas où. Heureusement. Alors, on devra quand même juste faire gaffe à plusieurs choses. C'est si on a une tempête, bah, ça risque d'être un peu le bordel. Voilà, j'en ajoute 4 ici. On va pas encore les ouvrir, ça sert à rien, mais comme ça, on les a. Préfabriqué, on a encore ça, 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 donc c'est très très bien. On a nos navettes ici, on en a 3 sur 6. Ah oui, ok, elles sont toutes ici. En vol 0. Inactif 3. Construire une nouvelle navette, d'accord, on peut faire ça du coup. Statut actuel, transport des colons, tout transporté, voilà. Ok, donc là on produit normalement pas mal de métal. On peut même amplifier le tout. Donc ça va être intéressant. Est-ce qu'on peut faire ça aussi pour lui et l'améliorer? On peut le faire. Donc très bonne nouvelle. On a notre fusée qui est là. Parfait. Et on a des ressources faibles. C'est lui qui faisait des ressources? Ouais. Va falloir faire gaffe parce que ben, si on n'en a pas beaucoup. Consommation, production. Ok. On va envoyer. On va renvoyer lui. Mais j'ai un tout petit peu peur parce que. On va plus en avoir assez et on utilise quand même pas mal. Donc lui, on peut peut-être mettre priorité haute. Parce qu'on va devoir en faire. On a nos nouveaux colons qui sont là. Ils viennent d'arriver dans leurs nouveaux locaux. On va sûrement, du coup, les avoir ici. Là et là. Ok, ne travaille pas, d'accord. Ah oui, plage horaire inactive. Ok. Bon, lui, il peut. Bon, on va le faire partir. Parce que c'était juste 3, c'est pas trop trop grave. Hein. On va pas pleurer pour ça. Par contre, j'ai un peu peur au niveau. Au niveau ici, hein, on produit pas vraiment assez. Impression de drone, on est bon. Alors, est-ce que j'attends. Alors, production, consommation, vous voyez? Donc, ça va pas, ça. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Alors, on peut activer ça, histoire de dire que. Et ici, ils travaillent tous, on dirait. Hein. Colon, 12 sur 14. Voilà. C'est parfait. Ben lui, on l'enverra aussi directement. On va faire un dépôt ici de nourriture de nouveau. Hein. On a beaucoup trop de nourriture. Alors, on va pas s'en plaindre parce que je crois qu'on doit sûrement galérer à un moment donné niveau nourriture. Mais j'ai presque envie d'acheter une nouvelle fusée. Mais est-ce que ce serait utile? Je crois pas. Dans le sens où on a juste beaucoup besoin maintenant en fait. Bâtiment non fonctionnel. Ouais, parce qu'il faut pour le restaurant. Ok, je comprends. Ici, même chose, on a besoin encore de monde. Clairement, je vais refaire encore une fusée hein, pour les colons.
Il contrôle combien de petits trucs, lui? Il en contrôle 12. J'en prendrais bien. Je prendrais bien genre ça. Lui, il en contrôle combien ici? 48. Ouais, on peut prendre ça et dire, on va te réassigner à toi. On va également mettre une grande décharge ici, tant qu'on y est. Hein. Voilà, comme ça lui va vider aussi plus vite le tout. On va pouvoir tout faire partir rapidement. Alors on récolte les exportations, c'est un peu idiot ça. Est-ce qu'on peut dire que je vais pas... Voilà, je vais pas les métaux rares, ça ne me sert à rien. Et ici, production, consommation, alors ça va, hein? Vous voyez, on est quand même maintenant, on est bon, mais pour le moment, on a plus faim. On a du coup beaucoup moins de choses, quoi. Dans le sens où tout ne travaille pas de la même manière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a? Aucun bâtiment de détente disponible. Alors oui, je suppose que le disponible veut aussi dire que... pas ouvert à une certaine plage horaire. Alors, on a gagné de l'argent. C'est pas négligeable. Et on a notre fusée qui arrive. Parfait. Alors, on va faire une fusée... Quand même faire une fusée cargo, je crois, avec de l'électronique. C'est quand même important. D'avoir assez. Alors, on va quand même faire attention à notre argent. Hein, parce que ça nous coûte. Éducation martienne, ça c'est une très bonne chose. On pourrait essayer de mettre du coup université. Voilà. Et elle va prendre toute cette place-là. Parfait. Hop, 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 hop. Dôme sans système de survie. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pas assez d'électricité. Ah ouais! Oh merde. Oh merde. Ça fait mal. Ok. Alors, on va tout faire réparer. What? Alors, la tornade, elle fait très très mal. Surtout qu'on n'a pas assez du coup de ressources. Alors ça se répare petit à petit, on les répare, donc c'est une bonne chose. Niveau électricité, on est bon. Ouais, on est bon niveau électricité. Alors là, ça se répare au fur et à mesure, mais le plus important, c'était ça en fait, ici. Ok. Ouh. Eh ben, bon, ça va, hein, ça a pas trop impacté. Par contre, ça nous prévient pas. Pas trop compris. Du coup, évidemment, ouais, là, il en faut 15. Ah ouais. Ah ouais. Ça avance bien au moins. Ici, en route vers la Terre. Ici, en route vers Mars. Ok. On a quand notre énorme entrepôt là parce que ça commence à presque urger. Dépôt automatisé. Ok, on va l'avoir après. Impression de rover, oui, non. Qu'est-ce qu'on a ici? Recevez une unique subvention de 1 million. Parfait. On va continuer à remplir tout ça histoire de que ça aille mieux. Parfait. C'est fou qu'on ait genre navette. Est-ce que vous croyez que je vais en acheter? Non, je vais pas en acheter. On en a 6 quand même. Inactive 6. Ok, on a reçu de l'argent. Bonne nouvelle. Et là, est-ce qu'il produit? Il produit alors pas mal, mais pas assez. Là, c'est des géologues. Ah, ok, ils nous disent qu'il faut géologue, géologue. Ok, donc clairement, il nous faut des géologues aussi. Une fois qu'on a ça, on va envoyer
Ah oui, non, on peut déjà demander. On va faire une fusée transport et on va faire que des géologues. Filtre. Spécialisation. Géologue appliqué. Et voilà, on prend que des géologues. Ça sera utile. Ouais, ça sera utile et au pire, on refera encore un pour d'autres. Mais là, on pourra aussi mettre des géologues, je crois. Donc ça devrait le faire. Là, on va avoir de quoi. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre par ici. Notre labo de recherche, est-ce qu'il avance bien? Alors ça produit pas mal. On pourrait encore faire de la production en plus. Donc là, il y avait en plus une mission pour ça, hein, je crois. Non? Mission. Générer 3000 par sol. Ok. Et 10 spécialistes nés sur Mars. Et là, c'est pour faire un méga dôme. Alors, pour avoir des spécialistes, du coup, je suppose qu'il fallait justement ça. Une université. Donc ça c'est une super chose. Alors là il se remplit, tout se remplit, donc ça c'est vachement cool. Là les géologues ça va faire du bien. Oh, il est épuisé. Ok. Bah écoutez, du coup on peut le supprimer alors, c'est ça? On peut supprimer ça. Deux bâtiments non fonctionnels, lui et lui. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? L'espace de stockage est plein. Est-ce qu'on a bientôt fini la recherche? Non. Ok, bon, on va en ajouter encore un. Hein. Dépôt. Alors je peux déjà faire entrepôt? Oh, non, ok. Dépôt et ça va être de béton. Voilà. Et lui, il a encore. Ouais, il a encore beaucoup. Hein. De toute façon, niveau béton, on est plutôt bon. On en a encore ici au cas où, de toute façon. Avec 1500, donc. Ça va. Ça va, ça va. Lui, on pourrait le faire après. Ah, il a encore de l'électronique à vider. Évidemment, on n'a pas assez d'électronique. Je vais faire un. Bah, un truc d'électronique ici. Parce que je crois que c'est le plus. Je crois que c'est le mieux. Comme ça, on a. Allez. On va tout séparer. De toute façon, au fur et à mesure, on aura sûrement tous des dépôts un peu de chaque. Genre eux aussi ici. On a besoin là d'ingénieurs, par exemple. Mais pour avoir des ingénieurs, il faut évidemment qu'on ait assez de production ici. Alors, est-ce qu'on peut. Est-ce que ça se vide? Ah ouais, ça se vide à un moment donné. Ou ouais, après, ça a l'air d'aller quand même. Mais ça va aller de plus en plus vite, je crois. Ok. Alors lui, on peut le faire repartir. On peut peut-être voir s'il y a des expéditions. Un explorateur télécommandé et on reçoit des ressources. Bah écoutez, on va faire ça. On va l'envoyer lui. Et on a notre première fusée ici qui est là. Donc ça c'est une très bonne chose. Première. Notre fusée qui est là. Est-ce qu'on a assez de place ici? Ouais, on a tout pile assez de place. On en a 12, donc ça c'est une bonne chose. Ils arrivent et ils vont directement rentrer là, je suppose. Parfait. Voilà, comme ça ici on aura nos travailleurs. Ça va être une très bonne chose. Et là, il y a qui doit travailler normalement? Usine de pièces détachées. Mais ça, on va peut-être le désactiver. Parce qu'on n'en a pas besoin. La formation totale de diplômés. Ok. Et là, on a des diplômes qui sont demandés. Ok. Et les travailleurs ici. Ah, formation auto.
Ok, on va faire auto. Si le dôme... Attends, D. Si le moral d'un dôme est trop bas, des renégats apparaîtront, les renégats, ton productivité diminuée, causeront des ennuis, les postes de sécurité peuvent les contenir un moment, mais pour résoudre le problème, il faut augmenter le moral. Ok, donc ça veut dire que ici, je suppose qu'ils sont pas contents. Ok, on sait voir directement ce qui manque là. Alors, il faut shopping, social, dîner, boire un verre et jeu. Alors. Shopping social. On a un casino qu'on pourrait faire ici. Ici, ça peut déjà pas mal aider, hein. Alors clairement, on va encore ajouter là. Ici, ils sont pas beaucoup, hein. Je suis d'accord que... Ah non, ils sont déjà 14 quand même. Je vais aussi rajouter encore une maison, je crois. Parce qu'il vaut mieux, je crois, faire tout ça. Pour après en rajouter, hein, du coup. Appartement ou complexe d'habitation. Voilà. Et il y avait un truc shopping, je crois qu'on pouvait quelque part mettre un shopping. Ok, on a aussi ça, les flèches du dôme apparemment. Recycle jusqu'à 70% de l'eau utilisée dans les dômes. Waouh! Et là, centre médical ou jardin suspendu, pardon. Et décoration. Oh! Des trucs, peut-être qu'ils sont heureux avec ça. Ok, bah on va partir du coup sur. On va partir sur ça et on va voir ce qu'ils vont nous demander après. En parlant de ça. Alors, anomalie planétaire analysée, on a gagné 37 de ça. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que ici. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, on manque pas, quand même de pas mal de choses. Principalement détente. Alors, détente. Qu'est-ce qui pourrait être utilisé pour détente? Complexe d'association, barre d'espace, détente. Mais il n'y a pas assez de monde qui travaille. Voilà où est le problème. Ok, alors lui il peut repartir, non? Ah ouais, on a encore plein de nourriture de nouveau. Bon, je vais garder cette nourriture, il faut, mais elle m'énerve. Clairement, ça m'énerve. Voilà, comme ça, lui aussi va vider. Lui, on va le faire atterrir. Passer en revue le point d'impact. Ok, va falloir faire attention du coup. Du coup, ils vont aller réparer, j'espère. Ouais. Réparation et réparation. Dépression, ambiance ludisque. Alors, un colon est devenu fou, enfilant une combinaison spatiale, l'individu instable occupe l'un de nos réseaux de drones et menace de la détruire. Quoi? Puis soudain, l'alerte rouge se déclenche. Arlene a lancé la procédure de destruction du bâtiment. Nous ne pourrons pas nous permettre de perdre ce réseau. Tant pis pour le bâtiment, sauver le colon. On doit sauver le colon. C'est important. Le colon était sauvé, le bâtiment a été détruit. Non! Alors, c'est lui? Reconstruire cette installation. Bah ouais. Ah ouais, mais ça nous coûte du coup. Bon, ça, c'est fait. Et du coup, ici, ils savent pas le construire. Ok. Viens, je vais te le construire ici, moi. Quoi, pourquoi ils sont autant là? 20? Mais je m'en fous d'en avoir 20. J'en veux pas 20. Lui, on le fait repartir. Allez, ciao.
Et lui, est-ce qu'on peut le faire repartir aussi? Drone son contrôleur. Voilà. Alors, on va juste reprendre tout cela et les assigner à lui. J'en veux pas autant, hein. Déjà 10, c'est trop, quoi. Voilà, 6, c'est très bien. Parfait. Bâtiment non fonctionnel, bah oui, on n'a pas assez de monde. Ok, lui, on va du coup le renvoyer. Parfait. Et du coup, on va se faire du coup une petite. Allez. On va s'envoyer des petits colons, mais je crois qu'on fera ça au prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner évidemment si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous, bah, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!